Alors, je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'une personnalité américaine bien oubliée, qui est Eleanor Roosevelt, la femme du président Franklin Delano Roosevelt, la First Lady, pendant une douzaine d'années à la Maison-Blanche, hein, qui va revenir fatalement dans l'actualité, puisque la perspective d'une éventuelle élection d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche, première femme arrivante à ce poste, épouse de Bill Clinton, et donc ayant occupé déjà pendant 8 ans la fonction de First Lady à la Maison-Blanche, va faire que Eleanor Roosevelt va forcément revenir au premier plan dans les mois qui viennent. Alors, cette femme, ce personnage, qui a refusé d'être une présidente potiche, pourrait-on dire, qui a tenu à se mêler des affaires du pouvoir, à s'engager dans des causes qu'on présenterait aujourd'hui comme humanitaires, qui a disparu en novembre 1962, eh bien, elle est devenue une sorte d'icône pour tout le courant féministe, en gros pour les gens de gauche. Eleanor Roosevelt apparaît un peu comme un modèle s'engageant pour l'émancipation sous toutes ses formes, hein, la lutte pour l'égalité en faveur des Noirs, des femmes, la lutte contre la misère sociale, etc. Alors il y a tout un politiquement correct ou un historiquement correct qui s'est imposé ainsi à son sujet, et on se souvient comment l'une des compagnes naguère de notre actuel président, quand il est arrivé à l'Élysée, se présentait comme voulant jouer un rôle analogue à celui d'Eleanor Roosevelt. Il s'agit bien sûr de Valérie Trierweiler. Mais le problème, c'est que les archives du FBI d'une part, les archives de Moscou d'autre part, révèlent un autre visage du personnage, hein. Il n'empêche que les mythes ont la vie dure, et que c'est toujours aujourd'hui l'icône revendiquée par la gauche qui domine, bien sûr, hein. Alors, en fait, nous disposons d'archives abondantes à son sujet. Nous disposons d'une correspondance de plus de 5000 lettres, et l'on se rend compte, à partir d'une enquête approfondie, que les mémoires de l'intéressé cache beaucoup plus de choses qu'il n'en dévoile. Certes, on va mettre en avant ses actions en faveur des femmes, en faveur des Noirs, des défavorisés en général. Tout cela est indéniable et appartient à l'histoire, mais on a quelque peu occulté l'influence pour le moins négative ou délétère qu'elle a pu exercer sur la politique étrangère américaine, notamment à travers l'entretien d'amitié, au moins discutable, si ce n'est dangereuse. Alors, qui était Eleanor Roosevelt, hein? Eh bien, elle est issue de la grande bourgeoisie de la côte nord-est des États-Unis, hein, une dynastie grande bourgeoise comme il y en a de nombreuses dans cette région. Son père, Elliot, était le frère cadet du président Theodore Roosevelt. Alors, un père alcoolique qui va mourir dans une crise de délirium tremens en 1894, alors que la jeune Eleanor n'a encore que 9 ans. Comme elle a perdu l'année précédente sa mère, c'est donc une jeune orpheline qui va connaître la période d'adolescence. Comme en plus il se trouve qu'elle n'est guère favorisée par la nature, elle est en fait assez laide et en même temps que timide et solitaire, bah tout cela fait une enfance et une adolescence plutôt triste et plutôt malheureuse. Alors, elle va quand même épouser son cousin Franklin, hein, Franklin Delano Roosevelt, qui sera président des États-Unis, donc de 1933 à 1944, hein,
qui est aussi riche qu'elle, hein, qui appartient lui aussi à la grande bourgeoisie de la côte Est, hein. Ce mariage va être en fait un échec, hein, marqué par la mort d'un enfant, par la présence d'une belle-mère un peu trop abusive, l'infidélité du mari, très, très rapidement, hein, et puis l'attaque de poliomyélite qui va frapper Franklin en 1921 et qui va faire de lui un infirme jusqu'à la fin de ses jours. En fait, dès 1918, elle a découvert l'adultère du mari avec sa secrétaire Lucie Mercer. Alors, évidemment, elle va être très affectée de cette situation, mais on est dans un milieu où il n'est pas question de divorce, où il faut sauver les apparences, hein. Alors, elle va se consoler en s'engageant dans diverses actions sociales, en effectuant de nombreux voyages et en s'imposant à l'intérieur du Parti démocrate, qui est celui de son mari, comme une passionnariat particulièrement motivée. Particulièrement militante. Elle a 49 ans quand il devient président des États-Unis en 1933. Hein. Roosevelt est élu en novembre 1932 pour succéder à Herbert Hoover, un moment très difficile, on le sait, pour les États-Unis, qui sont frappés par une crise économique et sociale d'une ampleur tout à fait inédite depuis octobre 1929. Hein. Il y a 14 millions de chômeurs à l'époque, la production en 3-4 ans s'est effondrée de moitié. Roosevelt porte beaucoup d'espoir quand il arrive à la Maison-Blanche. Hein. Il va lentement, laborieusement, à travers la politique que l'on sait, à laquelle on a donné le nom de New Deal, réussir à rétablir à peu près l'Amérique accablée par la crise. Mais on le sait, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale qui va permettre une sortie de crise véritable. Hein. En tout cas, la voilà présidente, mais à un moment où elle a pris évidemment ses distances avec son époux depuis très longtemps et où elle est très liée avec une journaliste, Lorena Hitchcock, journaliste à l'Associated Press, dont elle est tout simplement amoureuse. Hein. On a plus de 2000 lettres échangées entre 1932 et 1939 qui sont assez éloquentes à ce sujet, et c'est cette journaliste Lorena Hitchcock qui va, dans une large mesure, créer le mythe d'Eléonore. C'est elle qui va inventer, en quelque sorte, la figure, le modèle de la First Lady aux États-Unis, hein, au cours de cette période, hein, à travers toute une série d'articles présentant la vie de la présidente, si on peut l'appeler ainsi. Elle va introduire dans le milieu journalistique à Eleanor, qui va rédiger une chronique régulière dans un magazine féminin, à un moment où le président et son épouse découvrent ce qu'est le pouvoir des médias. Hein, c'est pas absolument nouveau, hein, on sait comment les médias avaient géré l'entrée en guerre américaine contre l'Espagne et puis ensuite dans la Première Guerre mondiale, mais là, les choses vont être beaucoup plus systématiques. Et le couple présidentiel va s'appuyer dans une large mesure sur ses relais médiatiques pour se doter d'une popularité de grande envergure jusqu'aux années 1940. Une popularité qui s'effrite un petit peu cependant, car on reproche à Eleanor d'en faire un petit peu trop, notamment au cours des années 40. Elle se mêle de tout, elle intervient dans les débats politiques, s'adresse directement au ministre de son mari, cela finit par agacer, et on voit se formuler un certain nombre d'attaques contre le pouvoir, contre l'influence qu'elle avait réussi à prendre. Et on a des titres, par exemple, dans la presse à cette époque, comme celui-ci, « Qui a élu Eleanor ?» Voilà, on a élu Franklin Delano Roosevelt, et quelque part, constitutionnellement, son épouse n'a pas à se mêler des affaires publiques. Hein. Certains même vont jusqu'à transformer l'orthographe du nom du président
pour l'appeler Franklin Delano Roosevelt. Hein. Donc la popularité qui a été acquise est un petit peu remise en cause au bout d'un certain temps, d'autant que les rumeurs vont bon train sur le climat de vaudeville qui règne à la Maison-Blanche. Hein. La nouvelle secrétaire du président Missy Leand va être sa maîtresse. Les enfants du couple présidentiel introduisent leur conquête dans la résidence présidentielle. Lorena Hitchcock, toujours elle, les femmes de ménage la retrouvent dans la salle de bain d'Eleanor. Tout cela fait un petit peu mauvais genre. C'est, évidemment, ça n'est pas connu de l'opinion publique, mais la rumeur à Washington, évidemment, est toujours très présente. En plus, Eleanor est très sensible aux louanges qu'elle reçoit hein, et aux laudateurs qui s'adressent à elle, hein, et qui sont évidemment nombreux, étant donné ce qu'est son influence, sa présence à l'époque. Hein. Alors Eleanor, elle est tout à fait patriote américaine, bien sûr, cela ne fait aucun doute, mais elle s'enflamme aussi pour le mouvement communiste, parce qu'elle voit dans le communisme, elle est attachée à l'émancipation sociale, à la justice, à l'égalité, elle voit dans le communisme une sorte d'entreprise, justement, de progrès universel, d'émancipation universelle, et ça va l'amener à commettre un certain nombre d'imprudence, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va ainsi s'enticher d'un militant syndicaliste qui est en fait manipulé par Moscou, dont elle pourrait être la mère, hein, elle a 60 ans, ce garçon, Joseph Lash, qui est le fils de juifs russes émigrés de Russie à la fin du 19e siècle, hein, comme beaucoup de leurs corréligionnaires, lui, il a à peine la trentaine, donc ça fait 30 ans d'écart, on voit à peu près comment se présentent les choses. Hein. Il est membre des Jeunesses communistes, un mouvement dont le nom, évidemment, a de quoi inquiéter dans l'Amérique de l'époque. Sa mère est épicière à New York, il vient d'un milieu donc tout à fait modeste, mais il a été étudiant à Columbia et marié d'ailleurs à une militante communiste. Alors, tout cela fait qu'une commission d'enquête consacrée aux activités anti-américaines, ça nous rappelle un petit peu en amont ce que sera une commission analogue à l'époque du McCarthyisme dans les années 50. Une commission d'enquête donc consacrée aux activités anti-américaines va s'intéresser de près au cas de ce garçon, Joseph Lash, mais la présidente, qui a une influence considérable, qui a le bras long, pourrait-on dire familièrement, va faire en sorte que ces enquêtes et ces investigations s'arrêtent. Par ailleurs, elle est très mobilisée par la guerre civile espagnole. Hein, on sait ce qui s'est passé en Espagne avec le coup d'État militaire, le soulèvement national du 18 juillet 1936. Ce soulèvement a été un semi-échec hein, et a marqué le début d'une guerre civile qui va durer jusqu'en mars 1939. Hein, une guerre civile qui va intéresser tous les pays d'Europe et également les États-Unis, tout le monde va en quelque sorte prendre parti pour l'un ou l'autre camp pour des raisons évidemment différentes. Pour ce qui la concerne, elle va être extrêmement favorable à une intervention américaine pour la République, en faveur de la République. Franklin Delano Roosevelt, son époux, restera tout à fait en retrait par rapport à de tels projets, bien sûr, mais Eleanor est farouchement favorable à la République espagnole, à un moment où d'ailleurs il y a de nombreux jeunes américains, des étudiants américains de gauche, qui rejoignent les brigades internationales en Espagne. Hein. On se souvient du rôle de la brigade Lincoln, par exemple, dans les batailles qui ont été livrées autour de Madrid en 1937. Alors tout ça fait quand même que le FBI et le contre-espionnage vont revenir à la charge et surveiller de près la femme du président, hein, qui semble très attachée à Joseph Lash, à qui elle offre des cadeaux somptueux, dont une Pontiac décapotable d'un prix très élevé. Hein. Cet intérêt est lié aussi au fait que dès 1933, elle est
attaché à l'établissement de relations diplomatiques avec l'URSS. Hein, les présidents républicains qui avaient précédé Roosevelt, Harding, Coolidge, Hoover, n'avaient pas reconnu le régime soviétique, né selon eux d'un coup de force, la révolution d'octobre, hein, et un régime qui avait rejeté les résultats des élections générales qui avaient eu lieu à la fin du mois d'octobre 1917. Eh bien, Roosevelt, en 1933, va reconnaître l'URSS, qui va bientôt d'ailleurs adhérer même à la Société des Nations. Et tout cela ne peut que satisfaire, évidemment, Éléonore, qui continue à voir Joseph Lache discrètement, notamment à Chicago, mais le FBI veille, surveille des courriers, pose des micros. Roosevelt est informé, hein, entre-temps la guerre a commencé pour les États-Unis, alors il va faire expédier le sergent Lache qui a été mobilisé dans le Pacifique, en pensant qu'il y disparaîtrait du fait de la guerre. En réalité, il survivra à celle-ci, et le FBI va conserver 450 pages de documents, malgré la consigne qui avait été donnée de les détruire. Hein. En parallèle, dans les archives de Moscou, on trouve la remarque selon laquelle Eleanor Roosevelt est facile à influencer et à mener quand on sait l'apprendre. Ce qui, effectivement, semble indiquer qu'elle a été, sans doute, sans le savoir, ou contre son gré, qu'elle a contribué à fournir du renseignement aux Soviétiques par l'intermédiaire de Joseph Lache, avec qui elle a gardé le contact. Hein. Alors, elle n'a pas été en mesure de transférer des secrets d'État majeurs, de rendre compte plutôt d'une atmosphère générale, de réactions personnelles à un moment donné, à la veille notamment de conférences internationales telles que celle de Téhéran ou de Yalta. Mais tout cela, bah, ce n'est pas aussi anodin que les défenseurs inconditionnels d'Eleanor Roosevelt veulent bien le faire croire. Elle a en tout cas un certain nombre de proches qui vont se retrouver dans le cercle rapproché des conseillers de Roosevelt. Hein. C'est le cas d'Harry Hopkins, hein, qui jouera le rôle que l'on sait en matière de politique étrangère pour le président. Harry Hopkins, qui est un grand admirateur de Staline. Alger Hiss, dont on saura plus tard qu'il est un espion soviétique. Hein, à l'époque de la guerre froide, il sera clairement identifié comme tel. Mikhail Streich, lui aussi un espion soviétique, qu'elle fait entrer au département d'État, hein, au ministère des Affaires étrangères. Harry Dexter, lui aussi un agent soviétique, qui va être chargé du prébail qui est consenti à l'URSS par les États-Unis, hein, c'est-à-dire les fournitures de matériel, les fournitures de ressources diverses que l'URSS était censée rembourser à l'issue de la guerre, ou un matériel qu'elle devait rendre une fois celle-ci terminée. Ça avait été un petit peu l'habillage pour Roosevelt avant l'entrée en guerre du fait de l'agression japonaise. Ça avait été l'habillage pour Roosevelt pour apporter une aide aux pays tels que la Grèce, par exemple, qui avait été agressé par les Allemands, ou l'URSS à partir de juin 1941. Bien sûr, Dexter va évidemment jouer un rôle pour que soit augmentée l'aide consentie à l'URSS. Il y a aussi Henri Morgenthau, qui s'est retrouvé secrétaire au Trésor du fait de l'influence d'Eléonore. Trude Pratt, une amie de Joseph Lache, était le contact établi de l'agent Alexei Sorkykin, premier secrétaire de l'ambassade soviétique à Washington. Donc on le voit, tout un réseau, tout un ensemble de connexions qui montrent bien, peut-être à son corps défendant d'ailleurs, qu'Eleanor Roosevelt s'est retrouvée dans la situation d'accroître en quelque sorte une influence favorable aux intérêts soviétiques dans l'appareil d'État américain durant cette période. Alors on peut renvoyer sur cette question à l'excellent ouvrage de Beata de Robien, Les passions d'une présidente Eleanor Roosevelt, qui est paru aux éditions Perrin.
souvenez peut-être, en 1991, je crois, de l'expédition à vélo autour du monde de deux jeunes Français, Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Expédition dont ils avaient tiré un livre et évidemment raconté toutes leurs aventures. Mais savez-vous que 100 ans auparavant, un jeune Américain de Pittsburgh avait fait un tour du monde à vélo. Et ça n'était même pas le premier. Le premier, c'est un Anglais qui s'appelle Thomas Stevens, et c'est en 1887. Et Thomas Stevens était parti de San Francisco vers New York, puis avait traversé l'océan Atlantique, était arrivé en Angleterre, avait traversé toute l'Europe, toute l'Asie, jusqu'au Japon, et finalement bateau et retour jusqu'à San Francisco. Sans incident particulier, ce qui était quand même assez remarquable. Mais alors le héros de 1892, eh bien, il s'appelle Franz Lenz, et c'est un jeune Américain d'origine allemande. En fait, ses parents sont allemands, c'est la première génération d'immigration. Ils sont arrivés à Philadelphie, où ils ont eu ce petit garçon. Le père est mort très vite, donc la mère, un peu désemparée, est allée vivre à Pittsburgh, où il y avait une très très forte communauté allemande. Et là, elle se remarie avec un monsieur Lenz, c'est pour ça que Franz s'appellera Lenz. Mais ça ne va pas être le grand amour entre son beau-père et lui, et c'est un peu pour ça qu'il va peut-être se lancer dans cette aventure invraisemblable. Il a la passion du vélo, et tout spécialement à l'époque du Grand Bi, vous savez, ce fameux célébrissime vélo assez acrobatique, hein, c'est quand même très dangereux. Et avec le Grand Bi, il va faire des excursions de plus en plus longues avec un club de passionnés de vélo. Et puis un jour, il a l'envie de faire le tour du monde à vélo parce que ça se passe mal avec son beau-père et qu'il en a assez de son travail de gratte-papier. Donc il va renoncer au Grand Bi parce que ça, c'est vraiment pas adapté du tout. Et il va se commander ce qu'on appelle un vélo de sûreté, c'est-à-dire le vélo qu'on connaît quasiment aujourd'hui avec deux roues pareilles, qui permet d'avoir des sacoches, qui est quand même plus stable, bon, lourd, toujours, hein, lourd, une bonne vingtaine de kilos. Et il va préparer son matériel pour faire le tour du monde. Et il va surtout se passionner pour la photo. Donc, il a un appareil photo, c'est pas un Kodak, il prend un appareil local, mais qui semble plus adapté à ce qu'il veut faire. Et il va bricoler cet appareil pour réussir à prendre des photos avec un retard. Vous savez, comme ça, il peut être sur la photo. Et puis, il peut prendre aussi discrètement les autochtones qu'il va rencontrer. Alors, il part soutenu par un journal qui s'appelle Outing et à qui il va envoyer régulièrement des photos et des comptes rendus de voyage. Bien sûr, ça intéresse les gens, on ne voyage pas aussi facilement que ça à l'époque. Il part soutenu par toute la population de Pittsburgh, il part en grande pompe le 15 mai 1892 de Smithfield Street Bridge et il part tranquillement. Alors le début, c'est un peu une promenade de santé, il va se promener vers New York, il va vers le nord, il va voir les chutes du Niagara, et puis là, il attaque les choses sérieuses, les grandes plaines, les rocheuses, il va rejoindre la Columbia River. Et vous imaginez, 1892, c'est peut-être encore un peu le Far West, d'une certaine façon. Il va traverser des réserves indiennes, où les Indiens qui n'ont jamais vu de vélo, bien sûr, jamais vu de vélo, disent « ça c'est un bon cheval, pas manger ce cheval-là ». Effectivement, alors, éventuellement il crève, mais il a tout pour réparer. Et puis il se fait précéder par une malle dans laquelle il a beaucoup de choses utiles, et la malle va le suivre autour du monde avec certains points, il va la récupérer au Japon, en Chine, à Calcutta, et sa mère éventuellement récupérera sa malle à la fin tragique de son périple. Alors il va de San Francisco, où d'ailleurs il se fait arrêter pour alcoolisme sur la... Parce que lui, il buvait jamais, mais là, il rencontre d'autres cyclistes qui lui font passer une nuit très arrosée, donc il est complètement saoul et il se fait arrêter, et il passe une nuit en prison. Petit incident, rien à côté de ce qui va suivre. Il prend un bateau
qui s'appelle l'Océanique. Il y a une très belle photo sur ce bateau où il dit, d'ailleurs il écrira à sa mère, j'ai un sentiment de tristesse profonde de voir s'éloigner les côtes de mon pays, pays qu'il ne reverra pas, hélas. Le bateau fait escale à Honolulu, il fait des photos, et puis il arrive au Japon. Alors au Japon, c'est son pays préféré. Il dit, c'est un enchantement, c'est mon idée du paradis sur Terre. Il trouve que les paysages sont superbes, que les gens sont charmants, c'est un pays très calme, très, très rural encore. Hein. Donc il arrive à Yokohama, il va à Tokyo, puis il va à Nagasaki. Il s'extasie même sur les geishas. Enfin, il trouve qu'il n'a jamais vu de fille aussi belle et il dit que les prostituées aux États-Unis, c'est pas aussi bien, probablement. Bref, il aime beaucoup le Japon. Il s'entend très très bien avec les Japonais, même s'il doit se retrouver tout nu dans un hôtel, dans un bain brûlant. Il fait comme si c'était tout à fait normal. Les choses vont se gâter en Chine. Alors là, la Chine, si le Japon c'était le paradis, la Chine ça va être l'enfer. En Chine, les étrangers sont détestés, ce sont les diables d'étrangers. Les routes de Chine sont un véritable cloaque, sont pas entretenues, donc il a les plus grandes peines du monde à passer physiquement. Il a appris deux mots, manger et dormir. Bon, ça c'est un peu juste. De temps en temps, il va être obligé d'engager des coulis pour porter le vélo tellement les routes sont difficiles. Et puis surtout, il est attaqué par 300 Chinois dans une contrée reculée. Et ils veulent sa peau. Ils sont là avec des faux, des bâtons et ils vont vraiment le tuer. Et alors il a une idée de génie, il fait le clown, il fait semblant de se casser la figure de son vélo, il sort son harmonica, il se met à danser, et les 300 Chinois qui étaient prêts à le tuer, eh bien se mettent à rigoler, et c'est gagné, il peut passer. Il lui arrive plein d'aventures, je ne peux pas tout vous raconter, je n'ai pas le temps. Finalement il arrive en Birmanie, là il se dit, ouf, c'est anglais quand même, je vais être moins en danger, effectivement, mais là c'est la mousson, c'est les tigres, les éléphants, un de ses coulis se noie dans une rivière en crue, enfin c'est pas évident non plus. Il arrive à Calcutta, là il peut se refaire des forces, et puis il va traverser toute l'Inde. Il arrive à Lahore, le Pakistan actuel, hein, évidemment. Et puis, toujours des routes très difficiles et plein d'aventures incroyables. Finalement, en bateau, il rejoint la Perse, notre Iran actuel. Et là, de nouveau, c'est un moment plus calme. Alors bon, il fait une chaleur terrible, les routes sont pas forcément très bonnes, mais les gens sont gentils, la nourriture est bonne, elle est saine. Ouf, il en voit le bout. Et il pense arriver à Constantinople, mais pour ça, il faut traverser l'Anatolie et le pays des Kurdes. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. Du côté d'Erzurum, il a des ennuis dans un petit village avec une espèce de chef de bande kurde qui va l'assassiner, tout simplement, et l'enterrer à 20 km de là, au bord d'une rivière, avec son vélo, tout en piquant des souvenirs, son revolver, sa montre, son appareil photo, qu'on va retrouver un an plus tard, dispersé dans la communauté arménienne, parce qu'on est en plein moment, enfin, juste avant les massacres des Arméniens. Vous savez que le sultan à l'époque, c'était Abdulhamid II, qui va massacrer les pauvres Arméniens, qui eux sont au courant de cet assassinat de ce jeune cycliste américain, mais n'osent rien dire. Et quand un an plus tard, un autre Américain, William Sharpleben, va revenir sur place pour retrouver le corps de Franz Lenz, il sera aidé par les Arméniens et on ne retrouvera jamais le corps, mais Sharpleben arrivera à faire payer par l'Empire ottoman 7 500 $ à la pauvre maman de Franz Lenz, qui n'aura pas fini son périple et qui est toujours enterrée quelque part en Anatolie. Mais quelle incroyable histoire que ce tour du monde à vélo. Il nous a rapporté des photos. La malle est arrivée à sa maman, finalement, avec plein de photos dedans. Et donc, c'est très émouvant de voir que ce jeune garçon, eh bien, est mort comme ça, au bout du monde, bêtement, après avoir traversé tant de dangers. Bravo, Franz Lenz. –
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Henri de Hoyy, historien principalement de la Seconde Guerre mondiale, qui vient de publier aux éditions italiques un ouvrage intitulé « Le Tocsin, un grand reporter assassiné, Xavier de Hautecloque, 1897-1935 ». Xavier de Hautecloque, évidemment, ça fait automatiquement tilt, il s'agit bien sûr d'un parent de Philippe de Hautecloque, le maréchal Leclerc. Alors c'est un parent oublié du chef de la 2e DB et il faut tout à fait rendre hommage à Henri de Hoyy de voir ressusciter en quelque sorte ce personnage qui durant les années 1930 a été un petit peu un lanceur d'alerte, si on peut utiliser l'expression, qui a dénoncé avec beaucoup de vigueur le danger que pouvait représenter l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes et de Hitler. Et Xavier de Hautecloque est mort en 1935 et une certaine incertitude pèse sur cette disparition puisqu'on a pensé qu'il avait été empoisonné, en fait, par les services allemands. Donc une histoire totalement méconnu, sur laquelle donc nous allons nous pencher maintenant avec Henri de Hoyy. Henri de Hoyy, je l'ai dit, qui est un spécialiste surtout de la Seconde Guerre mondiale. Il nous a donné des ouvrages tout à fait définitifs sur la bataille d'Abbeville, par exemple, sur la campagne militaire de 1940 du général de Gaulle. – De Gaulle sous également, le casque. – Voilà, c'est ça, un ouvrage intitulé « De Gaulle sous le casque ». Et puis également des travaux notamment sur le conflit de Syrie, la guerre du Levant de l'été de 1941. Alors Henri de Hoyy, là, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes remonté un petit peu en arrière, donc en gros nous sommes au début des années 1930, et vous vous êtes intéressé donc au parcours d'un personnage, Xavier de Hautecloque, qu'il faudrait peut-être commencer par présenter à nos téléspectateurs. Qui est ce Xavier de Hautecloque, donc né en 1897, quelqu'un qui est un jeune homme donc au moment de la Première Guerre mondiale. De bonne famille, oui. Et je crois qu'il faut parler de cette jeunesse en compagnie du maréchal, puisqu'ils étaient donc cousins. En compagnie, oui. Ils sont cousins germains, ils ont 5 ans de différence, et ils ont la même grand-mère. Ils descendent de 2 frères Hautecloque, donc ils sont cousins germains, mais Xavier, le futur journaliste, a 5 ans de plus que Philippe. Si bien que, bien entendu, ils passent leurs vacances ensemble chez leurs grands-parents dans le Pas-de-Calais, au château de Grand-Rulcourt, qui est une superbe baraque début 18e. – Qui est devenu ce château ? Est-ce qu'il appartient toujours ?– Il a été repris, oui, le château lui-même, oui, le parc a disparu, mais le château est toujours là, il a été repris, et avec beaucoup de talent et de courage, et il est en pleine résurrection, on peut le dire. – Très bien. Et 5 ans, c'est beaucoup quand on a 15 ans et 10 ans. Oui. Ils se connaissent bien. Mais enfin, ils ne sont pas intellectuellement très proches. Ce qui est important, c'est que le père de Xavier de Hautecloque est colonel de cavalerie et il va être tué au tout début de la guerre dans une unité qui est lancée à cheval contre les mitrailleuses. Enfin, vous savez, c'est le début, c'est la période de Charleroi, c'est une période terriblement sanglante. Est-ce que ce n'est pas le 22 août 14 qui a été une des pires journées Je ne sais plus la date exacte. C'est la bataille des frontières. Mais la journée que vous évoquez, il s'agit de la 4e armée, l'angle de Carrie, qui a été engagée dans les Ardennes. Oui. Je ne pense pas que ça corresponde au corps de cavalerie dont faisait partie beaucoup, le colonel de Hautecloque. Je me souviens des données tactiques de la mort de son père, qui commande colonel Sabre-Clair. C'était un grand cavalier. Il avait fait partie des concours à Londres pour représenter la France. Et ils ont chargé à travers un tunnel qui passe sous une voie de chemin de fer. Et devant les attendaient des mitrailleuses. Inutile de vous dire que ça a été un massacre abominable au cours de laquelle le colonel a été tué, ainsi qu'un frère de Hautecloque. Hautecloque avait 17 le ans. Jour. Le même jour. Le même jour. Le même jour. Il perd le même endroit. Son père et son frère. Son père et son frère. Il va se présenter pour s'engager. Il a à l'époque 17 ans. On ne le veut pas parce qu'il a 17 ans. Il se représente l'année d'après. Il fait la guerre de 14 pendant 3 ans.
Il va être décoré, il a une très belle tenue, il est blessé, pas très grièvement, mais enfin il fait son devoir avec beaucoup d'élégance et de courage. Et ensuite, chose toute, il avait été élevé chez les jésuites et chez les Hauts-de-Cloques, car chez les Hauts-de-Cloques, il y avait une tradition, puisque le colonel changeait de garnison, eh bien, les enfants étaient élevés à la maison par des précepteurs, et en particulier des précepteurs des Anglaises et des Allemandes. Si bien que Xavier de Hauts-de-Cloques, qui était un brillant élève d'ailleurs, on le saura plus tard, je vous expliquerai pourquoi, parle très bien et l'anglais et l'allemand. Et il parle l'allemand si bien que les Allemands se demandent « mais vous avez un léger accent ». Ne seriez-vous pas hongrois? Voilà, c'est vous dire que vraiment, il a une très très bonne diction, une très bonne maîtrise. Et alors, il va finir ses études chez les jésuites à Antoin, puisque c'est après la séparation de l'Église et de l'État. Et le seul document authentique que l'on ait sur sa jeunesse, c'est son carnet de notes. Et son carnet de notes est très brillant. Il va passer son bac tout à fait bien. Enfin bref, voilà, je vous ai raconté la guerre. Un bac latin et langue. Un bac latin et langue, probablement, je veux dire. Oui. Et philosophique. Et philosophique, oui, absolument. Très cultivé. Très cultivé, oui, absolument. Et ce n'est pas un scientifique, oui. Et physiquement, quel genre de garçon? Alors physiquement, c'est un garçon rural, cubique, solide. C'est un homme d'armes. Oui, un homme de la terre, on l'imagine plus que le maréchal. On l'imagine en homme d'armes, n'est-ce pas, avec une cuirasse. Enfin, c'est un homme très robuste. Costaud. Très costaud. C'est la raison pour laquelle il dira lui-même qu'il a été assassiné. Car effectivement, lorsqu'à 38 ans, il va l'être, il part en Allemagne en pleine forme et au bout de 2 jours, il rentre et il est rompu. Lui dit « ils m'ont assassiné, ils m'ont eu ». Enfin, revenons à son enfance. Ce garçon va rester dans l'armée pendant 2 ans et il va être en occupation en Allemagne, ce qui va probablement lui permettre d'affiner son allemand. Et puis il va revenir. Et il va revenir et il va devenir journaliste. C'est assez curieux parce que c'est pas du tout dans la vocation de la famille. Mais oui, que pense la famille? Parce que ça, je vous avoue que je ne sais pas. J'ai rencontré sa fille, que j'ai longuement interrogée, mais sa fille avait 4 ans quand il est mort. Et pour des raisons X, je n'ai pas pu rencontrer sa veuve qui est morte il y a quelques années. Chez les Hauts-de-Cloques, les personnages originaux ne sont pas rarissimes. J'en connais d'autres qui sont assez extraordinaires. Mais enfin, Xavier devient journaliste, d'abord au Journal des Débats, chance de sa vie. Au Journal des Débats, qui est un journal très traditionnel, très classique dans sa rédaction et dans sa mise en page, eh bien, il va rencontrer un jeune journaliste qui, comme lui, à son âge, sort de la guerre de 14, vient de sortir un bouquin qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Joseph Kessel. Et Kessel et Hauts-de-Cloques vont être très copains au point que Kessel va beaucoup aider Hauts-de-Cloques dans sa vie. C'est lui qui va lui conseiller de quitter le Journal des Débats pour aller dans un autre journal et finalement, faisons vite, va le présenter à Carbuccia qui est le directeur de Gringoire. Nous allons parler rapidement de Gringoire, mais enfin avant d'aller chez Gringoire, Kessel appartient à cette génération de journalistes qui cherchent des sujets comme Albert Londres en particulier, qui est le plus brillant d'entre eux, des sujets étonnants, des sujets un peu scandaleux. Et ce garçon qui sort des jésuites et d'une famille traditionnelle va adorer aller dans les milieux d'escrocs, dans les milieux bizarres, interlopes, c'est ça. Oui. Alors ça c'est assez étonnant, il va sortir 2 ou 3 bouquins sur ces milieux d'escrocs, sur la traite des blanches, la traite des blanches, la drogue, etc. La drogue, la blanche, enfin voilà, oui, c'est tout à fait étonnant. Alors ça c'est un petit, car il va sortir 3 volumes là-dessus, et ensuite il y a un autre volet qui est intéressant, c'est qu'il cherche à visiter des pays étonnants. C'est ainsi qu'il va aller aux frontières de l'URSS, tout à fait dans le Grand Nord, pour essayer d'introduire des armes dans les camps où sont les Russes blancs,
pour essayer de les soulever. Ça ne marchera pas, mais enfin, il fait une expédition assez étonnante. Il va faire un très bon livre qui s'appelle Grand Nord, qui est un embarquement sur les voiliers qui vont pêcher le hareng et même la baleine des voiliers norvégiens. C'est un des derniers bons témoignages sur ces voiliers hauturiers qui menaient une vie très difficile. Et puis, il va également faire un voyage tout à fait curieux en essayant d'aller à la Mecque. Alors, il va s'engager comme pharmacien sur un bateau et il va accompagner des pèlerins du Maghreb à Jeddah. Jeddah, oui. Et alors, il raconte le début de l'influence anglaise, l'Arabie qui sort du Moyen-Âge. C'est un témoignage sur le début de l'Arabie qui est véritablement intéressant. Disons au passage qu'il va y avoir un incendie épouvantable dans un paquebot à côté. Il y a beaucoup de morts. Et lui va se donner beaucoup de mal. Il va sauver pas mal de gens. Et il va y gagner une médaille, le mérite maritime, enfin de sauvetage, médaille de sauvetage. C'est quand même un homme incroyablement plein de ressources. Plein de ressources et plein de courage. Il a vraiment physique. Oui, on va le voir plus tard. Enfin, essayer d'entrer à Dachau, entrer dans la maison de la Gestapo, il est tout à fait étonnant. Il est vraiment étonnant. Oui. C'est un homme très indépendant. Parlons un peu du personnage. Alors ensuite, finissons rapidement sur son œuvre. Il y a les œuvres sur les escrocs, il y a les voyages, et puis en 1932, il fait un voyage. Le nazisme commence à l'inquiéter, c'est un ancien combattant. Il était dans la cavalerie, comme son père et son frère, et c'est le comte d'Hautecloque. Et il se dit, avec tout ça, je vais aller chez les Junkers de Prusse et je vais aller voir un peu ce que pensent ces gens-là. Parce que les Junkers de Prusse sont les gens qui tiennent l'armée et la diplomatie. En Allemagne, les universitaires tiennent les postes techniques, les budgets, et voilà, mais les Junkers continuent à avoir une importance considérable dans l'armée, ce qu'il en reste, la Bundeswehr et La Reichswehr, à l'époque. La Reichswehr, absolument. La Reichswehr. Et je vais y aller. Alors il va là-bas et il fait un reportage très intéressant, en allant de maison en maison, où il est très bien reçu, chez des grandes familles de Junker qu'on retrouvera par la suite. Et à ce moment-là, ça correspond comme date, Kessel lui dit « il faut que je te présente Carbuccia ». Et donc, Hautecloque va rencontrer Carbuccia. Un mot sur Carbuccia. Carbuccia est un homme, d'abord il est corse, et ensuite il est richissime. Et c'est un homme fort intelligent qui est très international. Il a fait des études à Florence, peut-être à Heidelberg, je ne sais plus. Mais enfin, c'est un homme très international, très ouvert, passionné de presse et avec beaucoup de goût et beaucoup d'initiatives. Et il va lancer en 1930 un hebdomadaire qui s'appelle Gringoire. Et c'est un hebdomadaire qui est d'abord littéraire, ce qu'on a beaucoup oublié, et qui va publier énormément des grandes signatures de cette époque. Je pense à Vicky Baum, je pense à Somerset Maugham. Donc en traduction. En traduction. Et, enfin, énormément de grandes signatures de l'époque. Et ça, c'est un des aspects du journal. Le second aspect du journal, c'est qu'il est très politique. Et il est très à droite. Et tout ça correspond tout à fait à l'esprit de Hautecloque. Ils ont le même âge. Ils sont tous les deux anciens combattants. Ils sont tous les deux multilingues. Et ils sont très indépendants de l'esprit. Donc tout ça correspond mais tout à fait. Ils ne sont certainement pas à gauche. Je ne dirais à droite. Carbuccia, c'est sûr. Oui. Mais même Hautecloque, c'est un homme de droite. Oui, mais Hautecloque est un homme de droite, naturellement, absolument. Par sa nature même. Mais je n'aime pas beaucoup cette. Personne ne l'aime d'ailleurs, cette définition droite ou gauche, parce que ça ne correspond pas tout à fait au personnage. Le personnage est essentiellement un aristocrate de province, c'est-à-dire un homme indépendant et libéral. Et donc, il juge des choses avec sa propre opinion. Et si on a l'occasion, on parlera par exemple de l'immigration, parce qu'il parle beaucoup de l'immigration, et il n'est pas du tout contre les immigrés, il n'est pas du tout contre la lutte des classes, il pense qu'il faut estomper les classes. Ce n'est pas du tout un homme réduit et enfermé dans des schémas de droite, comme on dit. Simplement, il veut absolument l'indépendance des gens et leur honnêteté foncière. Moyennant quoi, il est absolument contre les élus et
Il parle des crocodiles qui dorment au Sénat. Il a des reportages absolument sanglants sur l'influence des communistes dans les départements du Sud-Est, qui sont tout à fait agressifs et méchants. Il n'est pas anti-républicain, mais il est contre cette démocratie des plutocrates qu'il dénonce avec une violence folle. Alors dire qu'il est de droite, c'est très réducteur, parce qu'il a vraiment une indépendance d'esprit qui est tout à fait étonnante. Et qui est surprenante et quelquefois choquante pour les gens de droite, d'ailleurs. Donc ils s'entendent très bien avec Horacio Garbuccia. Et ils ont tous les deux une approche très moderne, très contemporaine. Ils sont très conscients des luttes qui se préparent, de l'influence des communistes, de la montée du nazisme. Et ils ont, c'est évident quand on ouvre Gringoire, et ça je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus, sur le goût. Car Garbuccia, qui est un grand journaliste, il est le directeur, il n'écrit pas, mais il est le directeur, et Gringoire est un grand format, un broadsheet, diraient les Anglais, qui est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'à l'époque, la plupart des journaux sont très brouillons. Il y a des mélanges de typographie, il y a des photos grisâtres, il y a des encadrés, des cartouches, tout ça se balade dans tous les sens, alors qu'au contraire, Gringoire a un aspect graphique qui est extraordinairement moderne par rapport à toute la presse. Parlons rapidement de Gringoire. Gringoire va avoir un succès très grand, au point que le tirage va atteindre 400 000 dans les années 30. Énorme, c'est considérable, et également pendant la guerre. Alors évoquons rapidement Gringoire, parce que le fait que Hautecloque ait écrit dans Gringoire a beaucoup d'importance, et c'est la raison de sa disparition. Hautecloque va mourir en 1935, donc il n'est pas concerné par l'histoire de Gringoire par la suite, mais Gringoire, qui est de droite, va être de plus en plus anti-gauche, et en particulier au moment du Front populaire, vous le savez mieux que moi, et particulièrement au moment de l'affaire Salingros, Gringoire va avoir une attitude qui va être extrêmement violente contre Salingros et va se déshonorer aux yeux de l'opinion en disant que son suicide est la preuve de sa culpabilité. Et ça, je crois que l'opinion ne l'admettra pas. Bon, et ensuite, alors, le Gringoire va être tout à fait à droite, va soutenir le maréchal Pétain, naturellement, mais ne recevra jamais de subside de Vichy. C'est une chose très importante. Ceci posé, ils sont antisémites, c'est vrai, mais enfin loin de ce qu'est la presse de l'époque, avec Je suis partout. Mais ils sont nationalistes, au point que les Allemands vont interdire Gringoire. Gringoire sera interdit à la fin, en 1944. Mais enfin, comme Gringoire est très anticommuniste, donc contre cette espèce de résistance ou de résistancialistes communistes, évidemment, ils sont de toute évidence condamnés à la fin de la guerre. Donc, Garbuccia, je fais rapidement, mais il faut le dire parce que c'est le procès qu'on lui fait. Garbuccia, bien que son journal ait été saisi, va s'enfuir en Suisse. Il est lourdement condamné, peut-être à mort, à Paris, je ne sais plus. Il va attendre que les choses se calment un peu, il va revenir, il va passer devant un tribunal militaire. Pourquoi militaire, je ne sais pas. Et il est blanchi complètement. Mais il se retire de la presse et à partir de là, on ne le verra plus. Mais enfin, ça a été une grande aventure de presse. – Mais cette séquence Gringoire, ça explique aussi pourquoi aujourd'hui Xavier de Hautecloque a été oublié, parce qu'il est un petit peu assimilé à cette presse alors qu'il a disparu, lui, dès 1935. – Voilà. – Alors il faudrait venir maintenant, parce que le temps passe, à la question allemande, puisque Xavier de Hautecloque, comme je le disais au début, on peut dire de lui aujourd'hui, c'est un peu un lanceur d'alerte par rapport à ce qu'il considère comme la menace hitlérienne dès le début des années 30, hein, avant même que Hitler soit arrivé au pouvoir, d'ailleurs, je crois. – Il n'y a pas que les Junkers, avec qui il avait quand même des affinités de classe. Oui, c'est un peu la grande illusion. Hein, – Oui, c'est un peu la grande illusion. – Mais il va se confronter au SA, des gens beaucoup plus… – Voilà, c'est d'ailleurs… – Infréquentables. – Des gens de plus en plus infréquentables. Au début, il est
est le Graf von Hautecloque, donc qui s'introduit assez bien. Il est un ancien combattant français, cavalier de surcroît. Il est très bien admis. Et donc, il va pouvoir avoir des recommandations qui vont lui permettre de faire des enquêtes dans différents milieux, chez les SA. Chez les SS, il va entrer dans la Maison Brune avec un courage extraordinaire, culot inouï. Il va se promener dans les étages, c'est l'heure de déjeuner, donc c'est vraiment tout à fait étonnant. Et ensuite, il va faire ses reportages. Ses reportages sont immédiatement très alarmistes, très alarmistes. Je ferai une seule citation, mais je crois qu'elle doit être faite. Il est très alarmiste et il va publier ça. Immédiatement, il va provoquer chez les Allemands qui le lisent un terrible, une sorte de traumatisme, parce que les gens qui l'ont reçu sont impliqués dans ces livres. Et il voit toutes les portes qui se ferment les unes après les autres, si bien qu'à la fin, personne ne veut plus le recevoir. Et pour aller voir les réalités du nazisme, comme il va le faire, je saute deux livres, il a des copains, parce qu'il va partout, dans les bouges, n'importe où, et il a des copains communistes, chauffeurs de taxi, qui l'emmènent là où il faut. Et alors il va aller voir Dachau, qui vient d'être ouvert. Il va aller dans un bagne qui est de la rééducation des religieux et du clergé, où il voit des choses absolument épouvantables, des gens qui sont tenus dans le noir, sans sanitaire, sans pouvoir se laver, dans l'obscurité. – Déjà en 1934, oui, c'est ça. Oui. Il va visiter les camps des jeunes nazis qui, de rééducation, ou d'éducation plutôt, des jeunes filles et des jeunes gens qui vont faire des travaux agricoles, quand jeunes filles et quand jeunes gens, mais tout milieu confondu. Il va chez les, il y a un chômage abominable. 44% de la classe ouvrière au moment de l'élection de Hitler est au chômage. Il y a un parti communiste extrêmement puissant avant cette élection de 32. Et il va dans les milieux ouvriers, dans les banlieues ouvrières. Il va visiter la veuve du général von Schleicher, qui était un des vice-présidents de la. Qui a été nommé par Hindenburg. Voilà. Il y a eu une tentative de ministère technique von Schleicher avant que Hindenburg fasse finalement appel à Hitler en janvier 1933. – C'est ça, et remplace Schleicher par von Papen, je crois. – Voilà, bon. C'est ça. Et alors il va voir la veuve, et lui demande mais pourquoi il a été assassiné, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment, la veuve ne veut pas parler. Il va visiter les quartiers où habitent encore des juifs extrêmement riches, mais qui sont complètement terrifiés, terrorisés par le maître d'hôtel. Enfin, il décrit la terreur avec une sensibilité extraordinaire. Vous deviez faire une citation. Oui, je voulais faire une citation parce que c'est... – Il y a une phrase, de mémoire, où il est à côté de SA dans un restaurant et il commence à parler avec eux et il écrit « Ces gens-là veulent massacrer tous les Juifs ». Il est vraiment très brutal dans ses conclusions et il a raison, bien sûr. – brutal. Je fais cette citation. Elle n'est pas très courte, mais je la donne parce qu'elle est vraiment essentielle, dans un ouvrage qui s'appelle « À l'ombre de la croix gammée ». Et à l'intention des lecteurs français, il dit « Ne désarmer sous aucun prétexte, surveiller, empêcher toute mesure du possible, dans toute la mesure du possible, le réarmement du voisin, préparer la jeunesse de notre pays à toutes les éventualités comme l'Allemagne prépare la sienne, détruisez comme elle les cloisons étanches entre les classes sociales ». Vous voyez que faites la nation un seul bloc par le travail obligatoire, rendez au peuple la confiance dans son gouvernement en faisant du pouvoir une obligation d'honneur au lieu d'une source de bénéfices. Balayez tous les profiteurs et d'abord ceux de la politique. Aider aussi les humbles. Il ne faudrait pas que d'ici peu l'Allemand soit plus heureux que le Français. Alors on pourra négocier utilement, envisager sans risque telle ou telle modification du traité de Versailles. Ainsi le sang de notre race régénérée ne coulera plus. Sinon faites la guerre, faites-la vite, ou nous périrons tous. C'est absolument prémonitoire. C'est une charge contre la Troisième République, surtout. Contre un régime dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas véritablement préparé la France à relever les défis de la période. Je voudrais dire entre nous, puisque nous sommes entre nous, qu'il a écrit d'autres ouvrages sur l'immigration. Et ces ouvrages ont
un aspect également prémonitoire qui est tout à fait angoissant. Et je ne sais pas s'il y a lieu de les republier, mais enfin il avait un sentiment géopolitique finalement, le terme n'était pas utilisé, qui était une sorte de prescience angoissée de l'avenir. – En tout cas un grand témoin. – Un grand témoin, et c'est bien de lui rendre hommage aujourd'hui. Donc il est mort… de façon un petit peu mystérieuse. Début 1935. Oui, le 3 avril. C'est-à-dire entre le plébiscite de la Sarre et le réarmement allemand. Exactement. Au moment du plébiscite de la Sarre, on lui aurait fait boire un verre. Voilà. Je voudrais dire une chose, je suis quand même très surpris, ayant découvert ces textes récemment, de voir qu'aucun historien ne les a exploités. Oui. Bravo de l'avoir fait, Henri Doyy. Oui, non, mais ça aurait dû être fait plus tôt, parce que sur la montée du nazisme, le témoignage de Lockock est quelque chose d'éblouissant. Incontournable. Oui, incontournable. Et ça en dit long sur l'occultation de la culture en France. Ouais. C'est vrai. Alors, je rappelle donc l'ouvrage d'Henri Doyy, Le Tocsin, un grand reporter assassiné, Xavier de Lockock, 1897-1935, aux éditions Italiques. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.